Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, enfin, c'est plutôt une aide pour faire des montages plus jolis avec l'écriture. Oui, l'écriture c'est tellement basique, mais en fait c'est vrai que ça joue beaucoup. Quand on a une belle écriture, ça fait déjà un super style. Donc moi je connais quelques sites, enfin surtout un, c'est le site d'Afont, donc là où on est, donc dafont.com. Donc ce site il est gratuit, vous pouvez télécharger tant que vous voulez. Mais je vous invite aussi à taper dans Google. Donc, ah non, c'est pas ici. Donc, tapez dans Google. Donc, on va se mettre sur Google. Hop. Donc, directement ici, vous mettez police, puisque c'est des polices d'écriture gratuite, et vous avez tout un tas de sites pas mal avec des écritures gratuites. Voilà, mais là on va juste s'aider avec le site d'Afont tout simplement parce que c'est vraiment plus simple. Donc là on est sur la page d'accueil. Donc ici vous pouvez cliquer sur toutes nos nouveautés. Donc c'est toutes les dernières écritures qui ont été mises en ligne. Et par ici, cherchez directement par le style que vous préférez. Donc, par exemple, j'aime bien le style calligraphique. Je vais taper ici. Donc, ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre son texte. Donc, moi, je vais mettre mon pseudo. Voilà. Et cliquer sur valider. Et donc, j'irai directement, en fait, les aperçus de ce que ça pourrait donner avec mon pseudo. Mettons celui-ci, voilà, je le trouve pas mal. Celui-là aussi. On va quand même continuer à chercher un petit peu. Donc voilà. Celui-là, je le trouve vraiment sympa. Donc je l'aime bien. Je vais le télécharger. Donc soit on peut cliquer droit, soit on clique directement dessus. Donc voilà, on va avoir notre logiciel ici. Donc j'affiche le dossier. Et comme vous pouvez le constater, ici, il y a des petits livres. Donc, c'est WinRAR Zip. Il faut donc avoir dans l'ordinateur déjà WinRAR. Si vous ne l'avez pas, vous avez juste à taper WinRAR gratuit. Hop. Et moi, je vous conseille absolument pas Softonic parce qu'il vous met tout plein de pubs à la con. Donc, voilà. Et donc vous allez sur télécharger. Le site 01net, c'est le mieux, je trouve. Donc voilà. Donc il vous suffit de le télécharger. Alors même si c'est une version gratuite, sachez que vous l'aurez toujours gratuitement. Il va pas rester bloqué au bout de 30 jours. Sauf que vous aurez une petite fenêtre qui se mettra dessus. Bon, c'est un peu chiant. Mais voilà. Moi, ce que je fais quand je suis directement dessus, comme ça, je clique droit, je mets extraire ici. Comme ça, j'ai absolument pas de soucis. Voilà. Donc, ensuite, je supprime le dossier. Quand il est. Vous voyez, en fait, ça donne ça. Ça donne toujours une petite page blanche avec l'écriture dessus. Vous avez juste à cliquer dessus, cliquez droit et mettez installer. Et voilà, ça s'installe. Donc ensuite, vous supprimez. Alors non, je vais vous montrer quand même, je sais que je fais un petit peu tout en même temps, comment on fait quand on ne peut pas avoir installé. Donc il faut aller dans panneau de configuration, c'est très rapide, ne vous inquiétez pas. Vous allez dans apparence et personnalisation et là, vous avez le dossier police. Donc c'est ça, les polices d'écriture. Donc on clique dessus, on ouvre le dossier. Et ensuite, il y aura juste à faire glisser. Donc on clique dessus, on maintient le clic, on fait glisser comme ceci et enfin, il va s'installer directement dedans. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé parce que je sais que vous étiez plusieurs à ne pas comprendre comment ça marchait. Donc voilà, chose faite. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt. Bye bye.